Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui, Elélo, Inishma, Janine, Rude, Bat Fortune, Mazal Fritna, Lerchale, Bat Mazal Tov, Lucien, Batrina, Claude, Shlomo, Ben, Shalom, et Olga, Bat Sol, Vanish. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions un Sechet Gitin, Perikret, Mishnah, Gimel, Vechen, Leinyan, Kidushin, Vechen, Leinyan, Achov, Amarlo, Baal, Chovo, Zrok, Lichovi, Vezarkolo, Karov, Lamal, Vezarcha, Alove, Karov, Lalove, Alove, Chayav, וחזר למחצה, שני ימי חלוקו. הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה. כיוון שהגיעה לאוויר הגג, ארזו מגרשת. הוא למעלה, והיא מלמטה, וזרקו לה. כיוון שעשה מרשות הגג, ונמחק ונשרף, הרי זו מגורשת. On a deux sujets dans notre Mishnah. Première partie de la Mishnah, ça continue le sujet de la Mishnah précédente. À savoir, lorsqu'on avait parlé dans la Mishnah précédente, qu'ils sont tous les deux. L'homme et la femme, Birchut Arabim, et pour divorcer sa femme, au lieu de lui transmettre dans la main, il lui jette. Pour rappel, d'abord, on a appris qu'on peut jeter d'abord un guet et que ça arrive dans le domaine de la femme. Si la femme est à côté, ça marche. On apportera des grandes précisions sur ça dans la deuxième partie de la Mishnah. Suite à ce sujet ouvert, on avait évoqué que même le jeter lorsqu'on est dans la rue, si je le jette de manière à ce qu'elle, elle peut le surveiller et pas moi, elle est divorcée. Si moi, je peux le surveiller et pas elle, elle n'est pas divorcée. Et si elle arrive dans un endroit où on peut tous les deux le surveiller, le guet, on est tous les deux, on peut le dominer, et bien dans ce cas-là, ça s'appelle Mugrochet, Vanya Mugrochet, elle est entre deux. La Mishnah s'ouvre en me disant, Vechen Leinan Kedushin, idem aussi pour marier une femme. Pour marier une femme, on marie une femme en lui donnant soit du kesef, soit en lui écrivant un shtar. Lui donnant du kesef, donc de l'argent, je peux dire aussi une femme, la bague c'est de l'argent, je peux donner de l'argent aussi. Et donc le même principe, si je lui jette. Elle me dit, vas-y, lance-moi mon argent, je veux me marier à toi. Je lui fais, je lui envoie la pièce comme ça, là. Si ça arrive près d'elle et que c'est loin de moi, que je peux plus contrôler, c'est elle qui contrôle. Elle est mariée. Si ça reste sous ma domination et pas la sienne, elle n'est pas mariée. Et si c'est dans un endroit dominé par nous deux, eh bien, elle est safek, mes coups de chute. Et idem encore, vechen leinyan achov. Et idem aussi pour le remboursement d'une dette. Je vais d'abord traduire la Mishnah, après on va apporter une précision ultra importante, parce que sinon on ne va rien comprendre à la halakha qui est écrite ici. Mais en tout cas, pour le moment, la Mishnah nous dit, idem aussi lorsque tu viens payer ta dette, que Amarlo Balchovo, le Balchov, le créancier, lui a dit, Zrok Lichovi, vas-y, tu viens prendre l'argent, je ne peux pas venir vers toi, jette-le vers moi. Imaginez, on est tous les deux de deux côtés. Vas-y, jette. Et il jette. Zrok Lichovi, ou Zrakolo, il lui a jeté. Karov la malvé, si ça arrive à proximité maintenant du créancier, du malvé du prêteur, eh bien, Zacha alové, l'emprunteur s'est acquitté. Il a remboursé par de la sorte. Imaginez que le jette, c'est sous ma domination, je lui fais, vas-y, jette, j'ai pas le temps de mets-les par terre, je les mets par terre, et une fois, et donc le lové, il les paye, il les jette par terre, et tout de suite après, il y a un gros chien qui arrive, qui prend tout et qui part. Il me dit, tu m'as pas remboursé. Je lui dis, bien sûr, je t'ai remboursé, maintenant, je t'ai jeté ton argent. Tu m'as dit de jeter, ça arrivait d'approximité, tu dominais la situation, après tu as traîné pour le ramasser, le chien est venu la ramasser, c'est plus mon problème, je me suis acquitté, c'est pour ça que la machine me dit, Zacha a lové, il s'est acquitté. Par contre, Karov l'a lové, si c'est resté à proximité du lové, je précise, proximité c'est pas une question de distance, c'est une question de qui domine, d'accord? Donc le lové, il le jette, de manière à ce que le lové c'est lui qui contrôle, mais le créancier, il peut toujours pas contrôler, et le récupérer, il n'a pas de shlita dessus, il ne peut pas le dominer, le contrôler, et bien dans ce cas-là, à l'ové khayab, le lové, il reste encore redevable, il ne s'est pas acquitté de sa dette, de la sorte. Et si c'est arrivé mechtsa al mechtsa, c'est-à-dire à moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans un endroit où tous les deux ils peuvent contrôler, le malvé comme le lové, et après, on traîne pour le ramasser, puis le chien arrive, le coup de vent arrive, le feu brûle, peu importe, eh bien, dans ce cas-là, Shnei Yachloku, ce sera à cause du doute. Est-ce que c'est à qui ça appartient? Ça appartient en fait, c'est pas que c'est un doute, ça appartient réellement aux deux. Donc ça s'appelle qu'il faudra partager la dette. Maintenant, précision super importante, il faut bien comprendre que ce que je vous ai dit pour rembourser une dette, on parle d'un cas particulier. De manière générale, si vous me donnez de l'argent, et moi je te dis, tu sais quoi, jette, tu me donnes 1000 shekels, jette-les à la mer, tu t'acquittes de ton devoir comme ça. Si tu le jettes à la mer, tu t'as quitté. Donc d'abord, il ne faut surtout pas expliquer à la Mishnah qu'on parle, qu'elle dit « oui, jette-les-moi ». Parce qu'il te dit « jette-les-moi » sans rien préciser, dès qu'il a accompli
dès qu'il a accompli son ordre de le jeter dans cette direction, peu importe qui domine, tu m'as dit ce que tu m'as dit de faire, je le fais. Tu m'as dit de prendre l'argent, de le jeter dans le canal, je l'ai jeté dans le canal, dans le fleuve, je me suis acquitté de mon devoir, si c'est ce que tu m'as dit de faire. Donc là, enfin, il faut préciser, le partenariat allonge pour nous expliquer qu'on parle d'un cas où il le dit, jette-le-moi de manière à ce que je l'acquière, comme pour les lois de Gittin, comme on a appris dans la mission précédente, et donc ça reste de nouveau le même principe, karovlo, ou mersa, d'accord. Deuxième partie de la Mishnah, on va apporter des précisions importantes sur la manière de donner dans la propriété de la femme. On explique la scène. On va parler d'une maison individuelle, un pavillon, où il y a une cour et le toit. Le mari, il est soit en bas, soit en haut, et la femme, elle est de l'autre côté. Précision d'abord ultra nécessaire pour commencer. La femme n'est divorcée que si elle est dans le domaine où se trouve, où on va lui lancer le guet. C'est-à-dire, imaginez que tout appartient à la femme. Il y a le toit et la cour, mais la femme, elle est sur le toit, je ne peux pas le jeter dans la cour. Elle doit être à proximité pour le contrôler, que ça reste sous sa... tout de suite, que ça reste à elle. D'accord? Et idem, si elle est sur le toit, si elle est en bas, je ne peux pas le jeter sur le toit. Il faut qu'elle soit à côté du guet où on va la divorcer. Maintenant, ça c'est introduction. Donc, si la femme, si le mari est en bas, il veut la divorcer en le jetant sur le toit, il faut que la femme, elle soit sur le toit, et je lui jette. Et si le mari, il est sur le toit, et elle est en bas, il dit, allez, prends ton guet, casse-toi. Et il lui jette, et on parle que toute la propriété appartient à la femme. C'est elle, ça lui appartient à elle, d'accord? Si ça appartient au mari, ça ne marche pas. Elle doit nécessairement le recevoir dans la main directement. Mais on parle que la propriété, elle est à la femme, donc je peux la divorcer en lui mettant ça dans son domaine, elle doit être en bas, donc moi je suis en haut. Maintenant, la question de la Mishnah va être de savoir... est-ce que le guet, il doit être posé par terre pour qu'elle se divorce, ou il peut même rester dans l'air? Je vous donne tout de suite la solution, parce qu'après, ça va être plus compliqué à le découvrir dans les mots de la Mishnah, donc comme ça, vous aurez déjà bien compris. De manière générale, lorsqu'on veut acquérir avec son domaine, par exemple, de l'argent qui rentre chez moi, une chose qui rentre chez moi, imaginez, j'ai la fenêtre ouverte, et le vent qui fait pousser un billet qui arrive chez moi. Dès qu'il arrive dans l'espace de ma maison, de manière à ce qu'il ne va plus sortir à l'extérieur, imaginez, j'ai la fenêtre ouverte là, et il y a un billet qui arrive, comme ça. Et bien, le billet, dès qu'il est entré chez moi, même s'il n'est pas posé, c'est déjà le mien. Parce que, avir chatsero, c'est aussi, ça acquiert. L'air, l'espace, l'air, avir, de son domaine, acquiert aussi, comme si c'était posé. D'accord? À condition qu'une fois que le billet est entré, qu'il n'est plus prédestiné à ressortir. Parce qu'imaginez que j'ai une fenêtre ouverte ici et une autre fenêtre ouverte là-bas. Et le billet, il arrive comme ça, mais on sait bien que le billet, il va voler, puis il va ressortir par l'autre côté. Dans ce cas-là, c'est avir chez Ensofo la noire. C'est un air, il est entré dans un espace où il n'est pas censé se poser. Et là, ça ne marche plus. Pour pouvoir acquérir, il faut que ça entre dans un espace où c'est censé se poser. Mais dès que ça entre dans l'espace, ça acquiert. Pour que ça puisse marcher, il faut nécessairement que ça entre aussi au niveau des mechitzot. Là où il y a les mechitzot, les barrières, les limites, les limites de son champ, le grillage de son champ, ouais, on va dire comme ça. Il y a donc pour illustrer ça, imaginez qu'en fait, moi j'habite à l'étage, j'ai juste en dessous de ma fenêtre. C'est ma femme qui habite, et elle a sa cour, elle a son balcon. Je veux la divorcer en lui jetant son guet. Alors il faut, on va illustrer ça d'abord tout de suite, elle doit être d'abord dans le balcon. Et quand je vais lui jeter le guet, alors tant que le guet il est au-dessus de sa cour, mais il n'est pas au-dessus de son balcon, mais il n'est pas encore entré dans les barrières, dans l'espace des barrières du balcon, elle n'est pas encore divorcée, dès que ça va entrer dans les barrières du balcon, dans la mesure où le guet n'est pas censé ressortir, on ne parle pas d'un balcon où il y a juste des barres de fer qui fait que le guet il peut passer à travers. Imaginez que les barres elles sont très serrées, donc dès que ça rentre dans l'espace, elle est en train de divorcer. Dès que ça arrive dans l'espace, elle est divorcée, même si c'est pas posé par terre. Vous avez compris l'idée? Au-dessus des barrières, elle n'est pas divorcée. Ça entre dans l'espace des barrières, elle est divorcée à condition que c'est censé se poser. Si une fois que ça entre dans l'espace des barrières, une fois que c'est là, il y a finalement un imprévu qui arrive, il y a un oiseau, une pivoleuse qui arrive et qui chippe le guet et qui s'en va, elle est divorcée, parce que dès que ça arrive dans l'espace, elle est divorcée, même si ça ne s'est pas posé. Par contre,
Aussi, je vous vends tout directement, comme ça dès qu'on veut lire la Mishnah, ce sera très facile à tout dire. Imaginez que je lui lance dans l'espace, mais qu'elle a allumé un barbecue. Elle s'est fait à manger. Et puis, ça arrive dans l'espace, et maintenant, le guet est en direction d'arriver dans le barbecue pour se faire brûler. Alors là, de nouveau, on a le même principe. Le guet, il n'est pas prédestiné à se poser dans son balcon, puisqu'il est en direction de partir sur le barbecue pour se faire brûler. Donc, elle ne sera pas divorcée. D'accord ? Donc il faut, en deux mots, que ça entre dans l'espace des barrières, à condition que c'est prévu à se poser. Et si au final, ça ne s'est pas posé par un imprévu de dernière minute, eh bien c'est pas grave, elle sera quand même divorcée parce que c'est entré dans l'espace de chez elle. Vous avez compris le principe? On fait tout ça dans les mots, regardez. Aïta omedet al rosh hagag. J'ai pas tout dit, il manque encore un petit détail, allez, je vais le faire tout de suite. Aïta omedet al rosh hagag. Elle était pour le moment, je sais surtout parler du cas où moi je suis au-dessus et elle est dans son balcon en bas ou dans sa cour. Là, on va d'abord s'intéresser maintenant du cas où moi, je suis dans le balcon et elle est au-dessus de... Elle est sur le toit. Sur le toit, vous imaginez bien que si jamais ça va partir se poser sur le toit, c'est que sur le toit, il n'y a pas de méchitsa. Si ça n'a pas de méchitsa, donc l'espace du toit ne peut plus acquérir à condition que ça atteigne les trois tfachim. Je m'explique un peu mieux. Je vous ai dit... Je reviens, excuse-moi. Je vous ai déjà tout expliqué. Lorsque je suis, moi, au-dessus et elle en bas... Dès que ça arrive dans les espaces des barrières et que c'est plus censé sortir, elle est déjà divorcée. Par contre, lorsque moi je suis en bas et que je vais lui lancer sur le toit, si je veux lui lancer sur le toit, c'est que forcément il n'y a pas de barrière. Il peut y avoir des barrières. Si ça dépassait les barrières, ça va passer au-dessus. Dans ce cas-là, dès que ça arrive dans l'espace des barrières, elle sera divorcée. Mais s'il n'y a pas de barrière, logiquement, là on parle d'un cas où il n'y a pas de barrière, elle a le toit, donc dès que je vais lui lancer, il n'y a plus de barrière. Donc le avir du toit ne va pas pouvoir acquérir. Par contre, dès que ça va entrer dans les trois tfachim du sol, comme dans toute la halakhot de la Torah, on considère trois tfachim comme si c'est rempli. Pour la souka, si on espace le srar de trois tfachim, c'est considéré que c'est rempli. Et idem aussi, pour une chot Shabbat, ça se retrouve encore. Pour Shabbat, quand on veut transgresser l'interdit de Otsar, il faut poser. Dès que ça arrive dans les trois tfachim, ça s'appelle que c'est posé, même si concrètement, ça ne s'est pas encore posé complètement à terre. Dès que ça arrive dans les trois tfachim, c'est la voud. La voûte, dans toute la ronde, on rencontre la voûte, et en l'occurrence, on le retrouve de nouveau ici. Dès que ça arrivait au-dessus du toit, dès que ça rentrait dans l'espace des trois tfachim, elle sera divorcée. D'accord? Alors la Mishnah le dit comme ça. Aïta omedet al rosh hagag. Elle était au-dessus du toit. Uzrako là. Et il lui a lancé d'en dessous pour que ça arrive. Et là-bas, il n'y avait pas de barrière. Kevan shi gia la aviragag. Étant donné que ça arrivait dans l'espace du toit, mais attention, comme nous dit le Bartanois, les pachot mishlocha samoch le karkaït agag, dans moins de 3 tfachim depuis le sol, eh bien, à raison, Megorachet, elle sera divorcée, d'accord? Comme il nous dit le Bartanois, des kelavoud d'ami, c'est comme le digne de la voud, à propos de Soukot. La voud, c'est qu'on considère les 3 tfachim comme si c'était déjà rempli. Ok? Deuxième partie. Ouh! Milemala! Vehi milemata! Lui, il est au-dessus et elle est en dessous. Soit, je suis à l'étage et elle est dans la cour, je suis dans la maison du deuxième, elle est sur le balcon du premier. Et donc, hum il est mala, vehim il est mata. Lui il est au-dessus et elle est en dessous. Uzrakola, et il lui a lancé. Donc là, il y a des barrières. Kevan sheyatsa mirshut agag. Dès que le. On est tout ça, on est tout clôturé. On peut clôturer par les barrières d'en dessous. Dès qu'il va, donc on n'est pas avec un balcon, on est dans une cour, d'accord? Imaginez avec une maison individuelle où il y a des barrières. Il est au-dessus, il lui jette. Kevan Sheyatsa Mirshut Hagag. Dès qu'il est sorti maintenant du toit, il a franchi la ligne du toit. Il est maintenant au-dessus de la cour. Et la cour là-bas, il y a des clôtures. Eh bien, il est déjà dans la Mechitzot du bas. Eh bien, Nimcha Konisra Farezo Megrochet. Si après il y a une intempérie qui arrive, qu'il s'efface, le guette, ou qu'il se brûle, dans tous ces cas, elle sera quand même divorcée, parce que dès que c'est arrivé dans l'espace de la cour d'en bas, elle est divorcée. Précision, comme nous dit le Bartanora, tu me dis qu'il a été brûlé. Il a été brûlé par quoi? Par un barbecue qui était déjà allumé. S'il était déjà allumé, c'est que finalement, le guette, il n'était pas censé se poser. Donc il faut dire que le feu, il est arrivé ensuite. Quand le guet, je l'ai lancé, il était censé se poser. Après, il y a quelqu'un qui est venu, qui a allumé un chalumeau, et ça a brûlé le guet. Elle est quand même divorcée, parce que dès que ça atteint les mechitzot de la cour d'en bas, elle sera divorcée, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.